Bonjour. Alors cette semaine, nous poursuivons bien sûr les fondations de l'islam avec le grand prédicateur de l'islam, celui qui l'a annoncé, c'est le personnage de Muhammad, hein, qui est considéré dans la tradition musulmane, dans la foi musulmane, comme un prophète, le prophète des Arabes. Alors, qui était Muhammad? Qu'est-ce que l'on connaît de lui? C'est vraiment l'idée de ce cours. Et l'intention première, c'est de s'appuyer sur les sources musulmanes elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles disent quand elles veulent rendre compte de la biographie de Muhammad? La biographie, en arabe, il y a un terme très clair, c'est une sira. La sira, c'est la biographie du prophète Muhammad. Donc, y en a-t-il plusieurs? Y a-t-il d'autres éléments pour savoir quelque chose de Muhammad en dehors des grandes biographies officielles? Est-ce que aussi, à partir de différentes sources qui ne sont pas forcément musulmanes, on peut avoir des connaissances sur le prophète Muhammad? Voilà des éléments que je vais aborder tout au long de ce cours. Il y a en tout cas, sachez qu'il y a deux grandes biographies, la biographie de Ibn Ishaq et la biographie de Ibn Hisham. Ces biographies de Muhammad, elles datent de la fin du 8e siècle. Donc vous voyez, on n'est pas d'emblée à l'époque de Muhammad. Il n'y a rien de précis, il n'y a pas de biographie écrite. Mais c'est par la suite, à partir du 2e siècle de l'Égypte, donc, que l'on va avoir ces premiers récits mis en forme, de manière donc écrite. Sachant qu'une biographie, évidemment, répond toujours à un contexte particulier. Lorsqu'on écrit une biographie de Louis XIV au XXIe siècle, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on écrit une biographie de Louis XIV en 1789. Donc évidemment, le contexte influe les problématiques et donc du coup la manière d'aborder la biographie. Donc ça, c'est un élément très important. D'ailleurs, on verra qu'en présentant d'autres biographies, qu'il y a d'autres angles au cours de l'histoire musulmane pour rendre compte du prophète Mohammed jusqu'aux biographies contemporaines, comme par exemple celle toute récente de Tariq Ramadan. Donc, la biographie du prophète Mohammed, quelles sont ses sources, quelles sont les premières sources sur lesquelles donc s'appuyer pour avoir une connaissance du prophète Mohammed. Et puis vous allez voir dans une deuxième partie, eh bien, pas mal de textes. En fait, ce sont des textes qui sont extraits de la biographie de Ibn Hisham et qui vous permettent d'avoir accès vraiment par les sources à ce que les musulmans lisent, ce qu'ils disent de leur prophète à partir donc de ces sources fondamentales, absolument incontournables pour rendre compte, pour connaître eh bien, le prophète Muhammad. Vous allez probablement être surpris parce qu'il y a un genre littéraire qui peut rappeler en grande partie certaines choses comme, qui sont familières à des chrétiens, comme par exemple, ou du moins à des gens de la culture judéo-chrétienne, comme par exemple eh bien, les anges. Les anges qui annoncent la venue d'une nouvelle, la venue d'un... Alors ici, en l'occurrence, c'est la venue d'un livre qui va être révélé. Et puis aussi une connaissance indiquée à des chrétiens de l'arrivée, de la venue de ce fameux prophète. Donc il y a vraiment, c'est très intéressant de rendre compte de cette biographie parce que on voit aussi que cette biographie veut répondre, s'adresse aussi, pardon, pas seulement à la première communauté musulmane, mais aussi à des chrétiens, à des juifs qui voudraient savoir quelque chose du prophète Muhammad. Voilà, bon courage et bon travail à vous.